Nous sommes le pont entre les États-Unis, le Canada et la RDC. ExoFreight, vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité. Notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagés et autres colis, nous effectuons l'achat à partir des États-Unis, du Canada et nous livrons en un temps record en République démocratique du Congo. Nos adresses, aux États-Unis, 1000 Montana Drive, Charlotte NC, 28216. Au Canada, 6377, Boulevard Monk, H4, E3, H8. À Kinshasa, au numéro 32, Avenue Kitona, quartier Rigini, commune de Lemba, et bientôt à l'est de la RDC. Avec ExoFreight, il n'y a plus de limite. BioHerbs Cacao, c'est un cacao en poudre de première qualité, mêlant l'utile à l'agréable, originaire d'Afrique. Le bio-cacao possède des propriétés médicinales et aphrodisiaques naturelles puissantes. Notre cacao n'est composé d'aucun arôme artificiel, d'aucun colorant ou des conservateurs. Avec de l'eau chaude ou du lait, profitez d'un tendre goût de cacao. Avec BioHerbs Cacao, vous êtes assuré de retrouver une capacité physique optimale. Un complément alimentaire conçu pour les hommes, augmente la libido pour une santé sexuelle positive. 30 minutes après l'usage, vous avez des résultats positifs. C'est la première fois que j'ai goûté un complément alimentaire sain, propre, bio. Sans produits chimiques et sans aucun effet secondaire qui fait des merveilles. Tout ce qui est écrit pour ce produit est vrai. Bienfait pour le cœur et la morale, lutte contre l'hypertension, pour le diabète. En tant que médecin, je vous conseille de l'utiliser. Et pour devenir distributeur, écrivez-nous sur jaimesociety1@gmail.com. Vendredi 20 janvier 2023, papa bande ko bilenge mbote na bino pe bola mona manaka ya pona Congo ya lelo e bandi e singu tabisa bino ke ba propos et tribalisme à la base ya ba manifestation o esalemaki lobby na ville ya Lubumbashi Lingoma ensemble pour la République ya mona mboka Moïse Katumbi ezali ezala ki bongo na balabala pe ba bengana ki bango pona côté les mabongo ba propos, il y a deux membres, il y a gouvernement Samalukonde Oyo, Wapi Bango, Batena qui va propos Moko, selon Bango, Ezaki Bango, c'est pas ratiste pour Nambo Kanabiso, mais si Wapi dossier Oyo Kokende, Potomoni, Ndenge Bilili, Ezaki Bamenos, Moussousou, et Salemi, la contre Yaba opposant, Kunana Lubumbashi, Tokolo Bela dossier Ango, Moko Nalo, Ndenge Nini, côté les Mela, tribalisme Nambo Kanabiso, Ezo Zoapenza, ba allure moko inquiétante ndenge nini ko zongisa makambo la ndenge esengeli ezala est-ce que justice fo kota likambo otope ba sanction ezala kaka na ndenge ya ba politique processus électoral ensemble pour la République ba sala ki communiquer moko elo lobby et l'équipe balobi ke bango ba lingi ata mukete glissement parce que selon bango ba indicateur nyon so ezali kolakisa que seni et ko bongisa maponomité na 2023 bango balobi maponomi ou rien na année oyo to zali na yango identification pe enrôlement ezali ko sel ya makasi kanisi oyo ya glissement et outi wapi to kolobela yango autour ya mokona lelo na ba invité to sala bango sur place. Toza Nandeko Christian Ingagné Azali Bongo Yalingoma politique Alliance des élites pour un nouveau Congo Mwalamboka okoki déjà ko rejoindre Bisso oui déjà ko rejoindre Bisso la plateau Mbote Pebribola
Bonne madame Naomi. Bonne santé. Qui m'est allé dans le Bonne lingomba politique, nabino, bino peut vous se préparer pour la rapport. Oui, lingomba politique, alliance des élites pour un nouveau Congo, et ça pour Milenge là, pour la rapport, nous avons se pointé à l'horizon. Et aux alliés, n'est-ce pas, un parti, oui, aux alliés, la Katia social-démocratie, et notre vision qui est la congolisation, okay. Et Zobalana avec. Des objectifs ou la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, que nous soutenons. Et tout ça pour Milenge là, pour que tout représenté à la élu, que le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a obtenu son deuxième mandat. C'est lui que tu as été la raza qui est mon colocola, moi si n'a ma économie outil et pour le Canada 2018. Est-ce qu'on est au soutenir chef de l'État, toi peux se représenter les sources? Bon, d'abord, je voudrais dire que jusque-là, Mme Marie-Josée Ifoku n'a pas dévoilé ses ambitions, okay. Pour des élections qui se pointent à l'horizon. Mais étant Moko Yaba, Bao Yomazo, constitué Union Sacrée, assurément, Mme Marie-Josée soutiendra la candidature du chef de l'État. Assurément. Alors j'espère que bien on peut partager bilan parce que Wendromine va pouvoir partager bilan. Mais c'est nous qui sommes en train de gérer. Oyoka déjà ANC et Bibina Union Sacrée. Nous sommes la carte Union Sacrée et nous assumons, n'est-ce pas, le bilan du président de la République. Très bien. Dès que nous sommes pour rejoindre la au cours, il y a une mission, il y a ensemble pour la République, le but, on a dit, bisous, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, la police, mais le il y a dossier, votre lecture, les années, depuis Marambo et Bandi, discours séparatiste, discours sur bateau, Bazali, dans ma parent, on a communauté, nous pensons que la République, les médias, mais les lots, même chef de l'État, ils m'ont pas téléméliqué en personnellement sur le bon, Madame Naomi, j'aurais bien voulu que nous découvrions ensemble pour la République à Zala Awa pendant que Tozako abordait des questions, mais bon, il est en train de venir certainement. Madame, je commence d'abord par condamner avec énergie bas propos racistes, bas propos xénophobes. Comme l'a fait le président de la République, lequel propos ont été tenus par certaines personnalités politiques lors de la sortie médiatique dans le cadre de la sensibilisation pour l'enrôlement. Et aucun Congolais a mérité, n'est-ce pas, à la traiter de lingue, n'est-ce pas, ça a été fait par certains de nos frères. De la même manière, madame, nous avons condamné le acte de vandalisme au Salemaki. Je ne suis pas membre de l'AVC, je n'ai pas reçu le mandat, mais quand même, en tant que compatriote, nous avons tous suivi dans les réseaux sociaux. On a vu comment ce siège a été vandalisé par des personnes non identifiées. Ça aussi, je le condamne. Maintenant, par rapport à votre question, est-ce que marche au Salema Kilobina Bandeko ensemble pour la République et Zali une façon pour eux de combattre le tribalisme. Madame, on peut combattre le tribalisme. Combattre le tribalisme, c'est un devoir pour tout Congolais. D'ailleurs, le tribalisme, Ezali Nelauti Koloba, non prévu par la Constitution, érigé même en infraction. Donc c'est le devoir de tout Congolais, il y a combattre le tribalisme. Mais madame, est-ce qu'il fallait le faire par une marche? Tout Congolais a le droit de manifester. Madame, je dis, le droit de manifester, c'est un droit garanti par la Constitution. Mais pourquoi Bande Konabi soit ensemble? Babima kana balabala te, lorsque le chef de l'État a lancé qui appelle la mobilisation générale pour combattre, n'est-ce pas, l'agression rwandaise? Pourquoi Bande Konabi soit ensemble pour la République? Batikala Kubmala Balabala te pour Nakosenga, par exemple, qu'on condamne, n'est-ce pas, le massacre au Salemana Est. On a parlé de massacre de Kishishi, vous le savez bien, au Bande Konabi 23, Basagina Est. Le massacre au Salemana par des groupes armés.
bah viol à répétition. Pourquoi ben de quoi ensemble bah bimate pour na cosa la bah marche voilà. Vous comprenez madame que au-delà de tout c'est tout simplement une sorte de cette façon d'agir les apponangai manipulation politique. Il y a bah leader politique en Burkina Faso en quête de positionnement qui se servent de la jeunesse. Oui, malheureusement, toujours comprendre était que Batouana Bazali ko lukana simana biso comment ba refaire aux ali leur santé financière ou positionnement na bango. Vous accusez quelque part que madame, je n'accuse personne, je suis en train d'analyser, mais pourquoi pour des causes de la République les gens ne marchent pas? Mais pourquoi, lorsqu'il s'agit d'un leader politique, il faut qu'on mette les gens dans la rue? Pourquoi? Pour des causes d'arrivée. Il faut qu'on change de paradigme dans ce pays. Nous devons changer de paradigme. Mais puisque vous parlez de leader, Moïse Katumbi, il faut citer Kombonaye. Est-ce que Zali est Moko ou Zali est un apparent Moko congolais? Zali est belé et ceux qui va bimer, c'est. D'abord, Naouti qui a condamné, Naébi Choké n'a pas condamné, à propos de Moïse Katumbi, c'est un Congolais. Il a été gouverneur du Katanga, il a été député national, président du Tout-Puissant Mazembe. C'est un Congolais. Et tout celui qui dit qu'aujourd'hui, Moïse Katumbi n'est pas Congolais, moi je ne l'encourage pas. Parce que, au regard de fait, c'est un Congolais. Mais ceux qui le dans le bateau, bah, tenu au point où il y a le wana contre Moïse Katumbi, nous le condamnons, je le dis. Mais il y a de voix. N'est-ce pas par lequel M. Moïse Katumbi, ou bien Ensemble pour la République, et qu'on recourir pour qu'on trouve réparation. Nous avons la justice, parce que je vous ai dit, le tribalisme est érigé en infraction. Pourquoi Ensemble pour la République n'a pas saisi les cours des tribunaux, ou n'a pas saisi le parquet contre, n'est-ce pas, Bandeko et Bakena qui va proposer à l'Olingewala? Est-ce qu'il fallait tout simple, quoi Kouchia Batou dans la rue? Est-ce le propos ou la déclaration il y a chef de l'État par laquelle a condamné n'est-ce pas bah acte voilà ne suffisait pas pour apaiser les esprits. À un certain moment nous devons nous surpasser madame pour poursuivre ce qui est pour moi ce que je dis aux alliés dénominateurs communs pour la mission aux alliés Mboka. Il peut y avoir des dérapages, mais on peut être offusqué. Mais pour l'amour du pays, on s'est dit, non, apaisons les esprits. Dans vos déclarations, le fait que le chef de l'État a été contre Yango et ceux qui ont... Mais sache, moi je pense que le père de la nation... Sanction réservée pour la bâtiment, c'est là qui... Mais la sanction... Mais je vous dis, mais nous avons la justice. Le parquet est là. Pourquoi Ensemble pour la République n'a pas saisi le procureur général? Contre Bauteur, il y a pas propos, Anna. C'est pourquoi j'ai dit, est-ce que pour combattre le tribalisme, il faut seulement mettre les gens dans la rue? On peut le faire, n'est-ce pas, en saisissant la justice, parce que le tribalisme est érigé en infraction. On peut le faire en passant un message à cohésion nationale, comme le chef de l'État l'a fait dans le Conseil des ministres, où il a sévèrement rabroué Bato, Bazalagi, Bakenaki, Bapropo, voilà. Mais ça devait apaiser les esprits lorsque le père de la nation lui-même est passé et monté au créneau pour condamner ces propos-là. Mais s'il faut rentrer dans la jeunesse, il y a les Cambodges. Mobeko, topé proposition de loi, il y a Noël Tchani, candidat président de la République, il y a Makoulou Eleki, il y a Sengaki, qui poste clé, le quoi la magistrature suprême, il y a la réserve, il y a notamment de père et de mère. Il y a peut-être les Cambodges, mais qu'est-ce que vous pensez dans le dossier, le loi Mati, le sous-soussima, Bolongou, il y a mon amour, comme Moïse Katumbi, il y a Madame Naomi, il y a un républicain. Je suis un jeune. Et je m'engage dans le combat politique, mais je suis attaché à la République. Et bien, nous sommes de nature, il y a une cohésion, il y a République. Moi, je suis contre. Marambo, il y a de père et de mère. Moi, je m'insurge, j'en fous. Pourquoi? Ce qui est au tel loi où il y a nationalité en Burkina Faso, c'est une loi de 2004. Cette loi est Zouamaki en exécution. Il y a une résolution, il y a un accord global et inclusif. Global et inclusif, allais-je dire, et Zouamaki aussi en exécution, il y a constitution, n'est-ce pas, il y a transition,
pourquoi, pour ce que Kéina préambule, il y a Mobé Kono Komona que il fallait qu'on mette fin à la fraction sociale et il fallait qu'on favorise la cohésion nationale. Il y a deux éléments déterminants où ils ont intégré la loi sur la nationalité. On a droit de le jus sanguinis, le droit du sol, le droit du sang, et le jus soli, qui est le droit du sol. Ça veut dire que ce que Botamina congolais, de parents congolais, ou bien Moko Azali congolais, Moussoza étranger, Azali congolais d'origine. Ce qui, n'est-ce pas, Azali ascendant, ou descendant, il y a Moko Yaba. Il y a une ethnie, où ils allaient au Congo, dans le territoire du Congo, de ce qui est devenu le Congo, dans l'accession à l'indépendance, aux alliés congolais par, d'origine, par appartenance, aux alliés congolais par appartenance. C'est prévu dans la loi. Nous vous apporter des pères et des mères aujourd'hui, c'est nous retourner dans la case de départ. On a connu des fractions sociales. Quand vous nous apportez des pères et des mères, vous allez, n'est-ce pas, favoriser des fractions sociales. Vous allez créer des tensions entre des tribus, des tensions entre des ethnies. Et moi, je m'insurge en faux sur cette affaire de père et de mère. Moi, je pense que le vrai débat, c'est le débat qui doit tourner autour de l'offre politique. Nous avons vu M. Sarkozy, Nicolas Sarkozy, diriger la France. Sarkozy n'est pas de père et de mère en France. Mais il a géré la France. Le vrai débat, c'est l'offre politique. C'est là où on doit faire le vrai débat. Mais ce qui est une offre politique, je ne vois pas Ensemble pour la République nous présenter une offre politique qui soit plus alléchante que celle de Félix Tshisekedi, président de la République. J'ai suivi, n'est-ce pas, la sortie médiatique du président Moïse Katumbi, tant où a annoncé candidature na yena, dernier congrès de Basalaki. Il dit quelque part dans son discours, il vous dit que moi, Moïse Katumbi, je vais combattre l'enrichissement illicite. Mais le président Félix Tshisekedi le fait déjà. Je veux lutter contre la corruption. Mais le président Tshisekedi le fait avec l'inspection générale de finances. Il le fait déjà. Donc, Ensemble pour la République n'a pas une offre politique qui soit plus alléchante que celle du président Félix Tshisekedi. Même si M. Moïse Katumbi postulait, il sera battu à plate couture par le chef de l'État parce qu'il n'a pas une offre politique plus alléchante que celle du président Félix Tshisekedi. Ezanesikate pour deux raisons. On a pété lio, qu'on laisse tout le monde compétir, n'est-ce pas? Et nous qui sommes de l'Union sacrée, nous pensons que aucun de ces candidats, ils peuvent tous se mettre ensemble, ou ils peuvent désigner candidat, barose à candidat commun, ou bango union se barose à candidat, montrement côté dans l'offre politique, ou ils sont plus alléchantes. Que oh, il y a présent la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vous pensez? Je l'ai dit avec conviction parce qu'il a démontré en 3 ans. En 3 ans, il a démontré que c'est un homme qui a une vision claire de ses pays. Ce qui est aux unités sur le plan économique, beaucoup de réformes et salamis. Sur le plan économique, Bomoni, n'est-ce pas, maximisation à la recette et à la régie financière. Vous avez vu comment DGI. N'est-ce pas, et maximiser la recette Nango en 3 ans, où le chef de l'État a eu véritablement le commande de ces pays. Pour vous voyez, il était dans 2 ans à gestion, il était bloqué par l'FCC. Mais est-ce que ma candidature, j'en viens. Mais, madame, ce que je suis en train. Na ou, population, n'a pas de la population, Anna. Hein? Mais dans la politique, mais Nazali, Naouti, Nakati. Mais madame, je vous dis que ce que je suis en train de vous dire, c'est l'opinion que partage la majorité des Congolais. Que tout va bien, que le chef de l'État. Non, je n'ai pas dit que tout va bien, je dis que en 3 ans, le chef a réalisé de prouesses qui fait en sorte que son bilan soit acceptable. Moi, je ne suis pas de ceux qui disent que le bilan du chef de l'État est 100% positif. Non. Je dis que le bilan est acceptable, appréciable. Parce que, oh, Yassaline a 3 ans, Ndekotinda Ngaï, Nalobaete, si on lui accordait encore les 5 ans, il fera plus. Madame, on avait un budget de combien? On nous a laissé dans ces pays l'ancien régime avec un budget de 4 milliards. En 3 ans, le président de la République, avec son gouvernement, qui au-delà de la signation budgétaire, là, il y a 10 milliards. Mais va atteindre 11 milliards, madame. Et les lots, avec le nouveau budget, il y a exercice 2022-2023 qui venait d'être voté au Parlement,
assignation budgétaire est à 16 milliards de dollars américains. Madame, en 3 ans, c'est un coup de génie du président de la République. Il faut qu'on dise la vérité aux Congolais. Regardez le travail qu'a fait l'inspection générale des finances, madame. Avec son contrôle financier a priori et a posteriori. Le lot en motoir au gérer service public et à l'État ou entreprise publique. Avant, le beau qu'on est à l'Ibenga. Azo réfléchir deux fois. Malgré ça, détournement, s'il était corruption, s'il était. Mais, madame, il ne faut pas qu'on fasse. Madame, même le détournement en France, ça existe. Même la corruption en Europe, ça existe. Mais seulement qu'on a amoindri, n'est-ce pas, on pleure Nayango. Ne pensez pas qu'au Congo, on n'en parlera plus. Ça existera toujours. Mais les combats que nous sommes en train, que le chef de l'État est en train de mener, c'est de réduire l'ampleur Nango à 90% pour que Baimboka bénéficie, n'est-ce pas, Namo Solo et à l'État. Pour qu'il y ait une répartition équitable et équilibrée, il y a des ressources et Mboka au profit de tout le monde. C'est qu'il faut que la CIG n'a plus sur le camp des pères et de mères. Quand aux autres, ben que non, c'est important et tout. Mais. Madame, je ne pense pas parce que dans la situation telle histoire, il y a beaucoup d'abuso. Le chef d'État même l'a dit. Le président de la République l'a dit. Les gens qui ont détruit ces pays, c'est des gens, n'est-ce pas, qui congolais de père et de mère. Il a dit donc, le chef de l'État. Donc pour dire c'est ce que vous dites, c'est une fausse assertion. Parce que beaucoup l'histoire, ce sont des pères et des mères qui sont passés à la gestion de ces pays et qui ont laissé le pays dans l'état où ils se trouvent. Moi, je pense que l'Okozali, Bato Foto Luka, il faut un homme qui aime le pays. Il faut un homme qui est attaché à son pays. Moto Alingi Mboka, Oyo Azali attaché à Mboka. Au cause de Congolais de père et de mère, tu n'as pas un attachement à ton pays. Yoka Makambo, le Banga, elle m'a cité. Ozo Kamutako, le Baketo Kamatamboka, Oyo Toteka, Yango Tokabola. Bato Balobarabon, Baza de père et de mère. Mais quand quelqu'un à la cité vous dit que Tokamatamboka, Oyo Toteka, Yango Tokabola, et une telle personne lobby a commis ministre, qu'est-ce que vous attendez de cette personne-là? Il faut plutôt, madame, n'est-ce pas, tout à la rationnelle et cartésien quand on parle de la République et de mettre de côté des émotions et des sentiments. Il faut un homme qui aime le pays. Il y a un monibus dans l'ANC, dans notre vision, il y a combolisation. Pour que le pays change, il faut que l'homme congolais commence d'abord par se nettoyer lui-même. Se nettoyer lui-même par rapport à sa mentalité. L'homme congolais a quelle conception de la République? Comment concevons-nous la République? Quelles sont nos attentes pour la République? L'homme est de côté de la gestion. Il faut que l'homme congolais se nettoie lui-même. Que ce qui n'a commis mon condi n'a pas simbali benga à l'état. Au niveau déjà à l'association, tout le monde a été cité. Bâtir une association à Kambaba Tomé, mandat n'a ici à l'Inkolongwate. Et qu'attendez-vous de cet homme? L'homme sera commis chef de l'État. Ou sera commis, n'est-ce pas, ministre et mandataire? Il faut que l'homme congolais nettoie son environnement. Rappelez-vous, le président Honoré Joseph Kabila a connu ses problèmes. Tangou a lobby été, il ne manque 15 personnes. Il a dit, parce que dans son environnement, il n'avait pas des gens qui pouvaient l'aider. Et le chef de l'État aujourd'hui aussi est en train de connaître les mêmes personnes, les mêmes problèmes, allais-je dire, parce que l'entourage n'a pas été, et ça a bateau, oyo, barosunga pays été. Donc il faut un nettoyage de l'homme congolais lui-même et autour de lui. Et il faut maintenant nettoyer, que l'homme congolais s'engage maintenant dans le renouvellement Yamboka, dans la transformation Yamboka. C'est ce que, n'est-ce pas, il faut faire, il faut nettoyer l'élite congolaise pour que l'homme le pays s'en sortir. C'est là où c'est le vrai problème qu'il faut cibler. Ce n'est pas une affaire de père et de mère, parce qu'il y a des gens qui sont de père et de mère. Vous parlez des présumés détournements. Autoroyo Kanabaitandoike. Est-ce que ces présumés détournements, et que ça les m'a par des gens qui sont. Des demi-Dakar, hein, et aussi on parle des pères et des mères, des gens que vous appelez des pères et des mères, c'est eux qui sont des présumés détournements. Parce qu'il y a un problème d'abord dans l'homme. Le chef de l'État a dit ceci, il investit dans l'homme congolais pour le développement, il a bien ciblé le problème. Il a dit, pour la transformation du Congo, il faut investir en l'homme congolais. Il y a un moment, il y a un discours, n'est-ce pas, sur quand il a pris le pouvoir, jour il y a
investiture naé à l'oba qui va combattre la corruption et les antivaleurs. Il a bien ciblé le problème. C'est pourquoi on doit ça. Il faut toi accompagner, n'est-ce pas? C'est que le chef d'État fait. Il est en train de poser le jalon. Il y a malam pour la gestion, il y a Mboka. Il peut. Est-ce qu'il a, il a quand même essayé de combattre le niveau de la corruption à l'école? Mais madame, n'a gagné si vous avez un peu de sang, vous allez mieux former que Ngaï. Tout le monde est en Mboka, madame, un directeur de cabinet, être, n'est-ce pas, en détention préventive pour de faits de détournement. Nous avons vu dans ces pays, ma proche collaborateur à chef de l'État. Oh, d'abord, sanctionné sur le plan administratif, et conduit devant le juge. Nous avons vu dans ces pays des mandataires de l'État être arrêtés. Ça ne s'est pas passé il y a 20 ans. Madame. Arrêtés et puis ensuite blanchis. Voilà maintenant ce qu'il faut expliquer à Imboka. Vous savez, madame, Namboka Nabiso, Tolingi, populisme, Mingi. Plutôt, Sunga, peuple T. Lorsqu'on arrête quelqu'un pour le fait de détournement, on le défère devant le juge. Les juges, n'est-ce pas, il lui revient en toute indépendance de juger cette personne-là. Et vous savez que la justice, dans notre conscience, est indépendante. Et le chef de l'État lui-même, bien que Azopé sa impulsion, Namarambouya, Il y a lutte contre la corruption, peu d'antivaleurs, mais il refuse de s'immixer dans la justice. Et ce qui va libérer Moutou, ce n'est pas l'affaire du chef de l'État. C'est le juge qui a libéré. Oh, mon, Nayango Pébisotoko Senga, n'est-ce pas que le Kolanakat État de droit justice Pézali Moko Yaba bras séculier, que la justice de notre pays, n'est-ce pas, et ça, là, en sorte que Bato et Alo, Lengiwana, ce qui va Komikunaba, Bimaraté. Babi Marate, c'est dit que ce qu'il y a de faits qui sont établis, à moins qu'il y ait, il n'y ait pas suffisamment de preuves, mais si les faits sont établis qui sont dedans, des gens qui ont pris l'argent de la République, qui ont détourné l'argent de la République, dans un projet où ils allaient lancé par le chef de l'État, des gens comme ça, il ne faut pas que l'obi Babi Maka. Donc là, on reconnaît qu'il y a aussi un problème. Je reconnais quelque part dans notre justice, il y a un petit souci. Le chef de l'État s'en est plein. Il s'en est plein. Et il y a un petit souci là-bas. Et Torosen à la Banzouzi, n'est-ce pas, Yambo Kanabiso, va accompagner, n'est-ce pas, Lutoyo, Tokomene, madame. Je vous dis que si nous restons dans cette constance-là, il y a qu'au lutter dans l'antivaleur, ce pays sortira du gouffre. Si aujourd'hui, il y a des gens qui sont en train de critiquer, de diaboliser le chef de l'État, parce que Batio et Bélé, Mokonziambo Kakangi Yango, Batio et Bélé, c'est comme ma benga et bande Kobima. Et Kobima est souté. Bakoulage de recettes, oh, ma tête à pogno, y'a mon premier ministre à l'Obara Nabiso. Il y a des milliards de dollars où ils ont s'est retrouvés entre les mains des individus. Batio, on a mon Kondiambo qui a bloqué en haut. Il y a des gens qui vivaient, n'est-ce pas, dans le bon où il y a trésor public. Des gens qui occupaient des résidences, il y a l'État. Oh, les lots, baza offusqué. Tant que l'on a l'État qu'on récupérait, n'est-ce pas, bien aillé. Et vous pensez que ces gens-là vont aimer les chefs de l'État? Pensez-vous que ces gens-là, les chefs d'État continuent au Kambamboka, Mouto Ache Bango Singana Kingo, pour na Bango Singana Kingo, mais pour na Bisso ba Congolais, et pour na Bolam na Bisso. Et pour na Bolam na Bisso, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est un homme providentiel pour ce pays, animé na Bolingo Yamboka, et il a l'amour du pays. Il n'est pas parfait. Il n'est pas parfait, il a l'amour. Moi, j'ai le temps, madame, d'étudier la classe politique de mon pays. Je suis resté longtemps loin de la politique. J'ai observé, je ne dis pas que le chef était parfait, mais je vois en cet homme l'amour du pays. Savez-vous qu'aujourd'hui, par rapport à l'agression à Rwanda, il n'y a que deux présidents dans ces pays qui ont cité nommément le Rwanda comme agresseur. C'est Mosé Laurent Désiré Kabila et le président Félix Tshisekedi Tshilombo. Nommément, ils ont cité le Rwanda comme agresseur. Et jusqu'aujourd'hui, vous avez suivi, sorti dernièrement dans un forum économique à Davos, recadrant, n'est-ce pas, une journaliste rwandaise, a-t-elle ici que le problème, il y a sous-région, et ça l'est le Rwanda. Mais quand même, de ce côté-là, opposition, ils allaient pour se plaindre à tout moment, toujours dans le Rwanda, et puis après la solution, malheureusement, ils allaient été. Bah, les vagues qui, notamment, levaient la mesure, il y a notification à ma arme, jusqu'à là, situation, ils allaient été, mais ça l'est communiqué pour lui que non, tout après, on a trouvé. Voilà encore une opposition à pacte de vitesse
on a toujours une posture, il y a qu'on jouer dans la critique sans faire des propositions concrètes. Madame, le président ukrainien Zelensky, tant qu'on a voyagé à aucun des pays membres à l'OTAN, à aucun des pays membres de l'Union européenne, pour n'a qu'on dénoncer l'agression de la Russie contre l'Ukraine. Trop bien, ami Kazakh pleurniché. Il est en train de pleurnicher. Mais pourquoi quand le président Félix Tshisekedi fait la même chose, on dit qu'il est en train de pleurnicher? Vous savez que cette affaire, il y a Rwanda, Namikolo et Leki, clairement, madame, même au niveau du comité international, Batia qui reconnaît Rwanda le rôle agresseur, il y a RDCT. Cette guerre fait plus de 20 ans. La communauté internationale a très reconnaître Rwanda le rôle agresseur. Et la démarche du président de la République, n'est-ce pas, la diplomatie n'a été agissante, et ça a été démontré qu'on mettre à nu, n'est-ce pas, la velléité, il y a qu'on balkaniser le Congo, il y a Rwanda, la velléité, il y a Rwanda, il y a qu'on balkaniser Mbokanabiso. Il y a qu'on créer des troubles dans Mbokanabiso. Qu'on talisana Mokili, que le Rwanda, c'est lui le problème dans la sous-région. C'est ce que le chef de l'État a fait, et il a réussi son coup. Nous devons, n'est-ce pas, le féliciter. Nous devons quand même à un certain moment, madame, que ça la preuve, il y a honnêteté intellectuelle. On doit reconnaître que le chef a fait un travail. Aujourd'hui, les États-Unis d'Amérique condamnent le Rwanda. Vous avez suivi le communiqué, il y a un département américain qui demande au Rwanda, au M23, au Bazali, sous-traitant, il y a Rwanda, s'est retiré, n'est-ce pas, dans la position occupée dans la RDC. Vous avez suivi tout le pays, il y a une grande puissance, autobing une grande puissance, condamner le Rwanda. Mais seulement nous attendons de cette communauté internationale des sanctions draconiennes contre le Rwanda, des sanctions économiques contre le Rwanda. Nous attendons, n'est-ce pas, ces sanctions parce qu'ils sont toujours dans la condamnation. Mais bah, sanctions, Toko Monate, espérons que ça va venir. Mais parlons de tout ça, c'est le chef de l'État qui l'a fait, il faut le reconnaître. Parlons de l'agression rwandaise à travers le M23, les lots de Monaki, Banamoka, Télémi, manifesté, groupe, il y a ERC, c'est Yéle Kim. Comment est-ce que le Tanaki est en Rwanda? Apparemment, on va oublier que le résultat, malheureusement, il s'est depuis Baye. Madame, en tant que républicain, moi, je pense que nous sommes roulés par la force régionale. Pourquoi je le dis? Rappelez-vous, le chef de l'État s'attendait d'arriver à force régionale, je parle du contingent kenyan, qui va passer par Bounagana. Il a même dit qu'ils passeront par Bounagana. À notre grand étonnement, je crois même que le chef d'État était surpris de voir cette force régionale atterrir à Goma. Ils arrivent à Goma, ils disent que, alors qu'ils ont un mandat offensif, ils ont dit que nous venons combattre au front, aux côtés à Bafardès. Ils arrivent à Goma, ils disent non, nous attendons d'abord, on est là, on attend que diplomatie n'est nous, et ça, la Moussa Anayam. Et c'était, n'est-ce pas, ma déclaration, il y a le général, il y a contingent kenyan. Les chefs de l'État à Keïna, sommet, mini-sommet à Luanda. Ma résolution est que le chef d'État le M23 a se retiré dans la position où nous sommes occupés, madame. Le M23, jusqu'à ce jour, s'est retiré. Mais qu'est-ce que nous constatons sur le terrain? Tout le monde a force régionale. Baro Salaraba selfie dans la rebelle. Tout le monde a force régionale. Baro se balader dans la rue à Goma. Tout le monde a force régionale. Baro Sungarande. Ba maman. Ba cheminaraba, ba denrée na bango, na ville ya Goma, au lieu bas à la au côté à FRDC. Vous avez suivi dernièrement, on nous a parlé, le M23 ont annoncé avec fracas, retrait na bango ya Kibumba. Mais jusqu'à preuve du contraire, vous avez suivi les communiqués du gouvernement, vous l'avez lu. Le gouvernement constate que le M23 ne veulent pas respecter ba recommandation, il y a Nairobi, il y a un monito lobby. Maintenant, nous allons nous prendre en charge, comme disait Moussa Laurent Désiré Kabila. Nous allons nous défendre, où est la prérogative de la Constitution, et nous sommes prêts à toute éventualité, parce qu'il s'agit de protéger l'intégrité en Bokanabiso.
Poto, sali tout ce qu'on pouvait faire. Total ici, bonne foi en abisso. Mais nous sommes rendus compte que le Rwanda ne veut pas comprendre. Alors, Bissot, nous allons prendre nos responsabilités et nous allons défendre la République. Ça, c'est un communiqué, n'est-ce pas, aux récents, il y a gouvernement congolais. Alors, Bafox et AEAC, moi, je pense qu'ils doivent retourner d'où elles sont venues. Nous avons une armée efficace, madame. Mais porter résultat, c'est déjà, force, il y a qui force négative, ni niveau AEAC déjà à éradiquer dans l'Est. Tant qu'il y a un village où il y a ces forces régionales déjà récupérées dans l'Est, où il y a des forces régionales à récupérer dans le M23. Mais je vous dis que c'est le bilan est négatif pour ces forces régionales-là. Est-ce que ce n'est pas le moment où on a repris sa banque? Tant qu'on a repris sa banque, madame, il y a un mandat offensif. Il y a un mandat d'explication. Il y a un mandat de comprendre ce que vous avez. Moi, j'ai toujours soutenu, madame, que. Comme disait Patrice Emery Lumumba, que la solution à Makamba Congo est où tu as un Congolais. La paix à Est est où tu as un affaire d'essai. Non, ce n'était pas une erreur. Nous sommes, moi, je crois qu'on a. On croyait, n'est-ce pas, que Basungabiso. Que Bandekonabiso n'a pas Basungabiso. De la même manière, Mouzé Laurent Désiré Kabila. Lorsque, en 98, je crois que c'était en 98 ou 99, tant que Rwanda Bataka Kibiso. A Kenek Bandekonabiso Bangolais. Zimbabwe, qui était offensif sur terrain. Et on croyait que Bande Konabiso n'a pas été Sungabiso. Mais si vous vous rendez compte que Baro Sungabiso était, Baro Salandé, je n'est-ce pas, à l'adversaire. C'est pourquoi tu es ici, Bango, pas Kende. Nous avons une armée, nous allons, n'est-ce pas, équiper cette armée, nous allons de tous les moyens, une armée qui est aujourd'hui classée 8e en Afrique sur le plan de la puissance militaire. Et 72e dans le monde parce qu'a gagné juste aux 4 places. Il faut l'équiper. Il faut bien payer nos militaires. Il y a un recepé là, n'est-ce pas, Marambouya, je crois qu'on va en parler. Réduction à train de vie déjà où ils allaient mise en marche. Vous avez vu qu'on a diminué même le salaire. Il y a le président de la République honoraire, le sénateur à vie. Bah, qui est ici sensiblement parce que nous sommes dans un état de nécessité. Non, madame. Madame, nous sommes dans un état de nécessité. L'intégrité territoriale est menacée. Nous devons nous défendre. Trouvez-vous normal pendant que nous devons doter de moyens? Il y a une loi à programmation, il y a FARDC. Il faut doter $1 milliard américain à FARDC. Pendant que tu as posé un avion de guerre, tu as posé un espoir à Soukoïto, qui s'en est comme un belé. Qu'il y ait un individu, au bas, 180 000. Vous pensez que même sur le plan, il y a justice sociale. Et ça dit normal. C'est anormal. Il y a un azot salué, n'est-ce pas? Bah, mesure, bah, instruction à chef de l'État. Oh, il y a Zoé qui croyait, mais sa ministre de la Finance, qui s'engueli, ah, ça, là, il y a une sorte, il y a rationalisation à la dépense, il y a l'État, qu'on fixe, qu'on publie le salaire à la gens sur l'État, puis qu'on, bah, oui, bah, qu'on soit solo, qu'on l'éca, qu'on diminue, il y a un on a, on a, oui, mais, c'est fait. Déclaration, il y a la ministre de la Finance, et puis. Mais justement, c'est dans le cadre, c'était une instruction donnée par le chef de l'État, dans le conseil des ministres, dans la ministre de la Finance, et le ministre est en train d'exécuter, nous connaissons le salaire du chef de l'État, c'est $17 000 américains. Mais c'est l'argentier de la République qui a parlé, madame, à moins que vous avez une information, mais au contraire, le chef de l'État touche $17 000 américains, et le président de la République honoraire y est à pour toucher le 75% de ce que touche le chef, soit $12 500 américains. Bon, oui, Bélezoni n'a pas de trésor public. Maintenant, on peut donner cet argent au FARDC pour défendre la République. On peut prendre cet argent pour acheter Soukoy Moussou Soukoubakissa, qu'on soit un hélicoptère, qu'on soit un avion de guerre, blindé, qu'on laisse la maison, qu'on peut sa dation à militaire, qu'on peut sa ration à Bango, qu'on peut sa Bango et Sengeli pour défendre la République. Nous sommes dans un état de nécessité. La nécessité fait loi, madame, nous devons défendre la République. Si le président de la République gagne $17 000, combien gagne un député, combien gagne un ministre, combien gagne un mandataire? Madame, vous avez vu si le ministre de la Finance a dans la démarche, il a republié. Où il a dit le salaire, il y a l'agent public. Bon, tout le monde a député. Député, c'est l'agent public. Il y a dans le mandat, il y a peuple. Ce n'est pas un agent public. Le rôle de la présidente de la République, le rôle de la ministre, le rôle de la. Il y a fonction publique et tout. On va publier. Donc, député, un député. Non, mais madame,
Mais cette affaire, il peut être heureux, il y a des députés qui auraient 21 000. Jusque là, moi je ne sais pas affirmer. Il y a des députés qui auraient 21 000. Toyo qui domine les députés, mon groupe Bolerene et Tendoike, à la base, il y aura 17 000, c'est 18 000 bases, et il y a qui est belé. Bon, moi, je ne confirme rien parce que j'habite exactement ce flou. Exactement, peut-être que l'Assemblée nationale, les bureaux de l'Assemblée aussi vont nous éclairer pour, nous, pour publier le vrai salaire, il y a des députés. Mais ce qui est allié belé, et c'est qu'il faut réduire. Toujours dans la logique, il y a réduction de train de vie, il faut qu'on réduire. Bah, tu es qu'on peut s'en bonger belé dans la minute, oh madame, et ça va militaire. Très bien. Pour le processus électoral, bande de conseil pour la République, bah ça qui communiquait mon cobalobi, pas de glissement dans 2023, ma ponomie, éco salema ou rien. Est-ce qu'on a un processus électoral ou salema? Comme déjà une étape enrôlement. Moi, nous, les alliés, bah centre, monsieur, formalité, bah si nous sommes tombés en panne, tout comme déjà de l'eau, les 20, c'est 4 jours qu'on a phase, il y a un bosso et enrôlement, et si là, n'est-ce pas, il y a un enrôlement, lecture, non, les alliés, est-ce qu'ils en avaient un indice, moi, ils ont l'accepté. 2023, madame, l'organe technique où ils ont chargé d'organiser l'élection, c'est la CENI. Et CENI a mis ici un calendrier qui respecte le délai constitutionnel. CENI est lancé enrôlement. Au moment où je vous parle, ils allaient dans le cadre de la carte de Joswaki. Ce que Joswaki était Foki Mambang pour le 24, ils allaient quand même y était. Joswaki déjà. Pour enrôlement, ils allaient en dépit, il y a bah, raté, auto-constaté, mais je crois que la CENI va s'y mettre pour, n'est-ce pas, pour corriger en haut, pour les ambassades font la magna retard et tout. Il faut tout comprendre qu'une œuvre humaine, ils allaient parfaite. On peut commencer quelque chose, madame, et il y a des ratés, on corrige et on améliore. Bon, c'est vous qui le dites, hein, madame. Bobby Leloyo, carte de lecteur, photo couleur. Couleur, comment dire, photo, en, comment dire, photo noir et blanc. Et, madame, c'est la nouvelle technologie. Tu as la carte des lecteurs, il y a français. La photo est en noir et blanc. La carte est en couleur, la photo est en noir et blanc. Les gens ne sont pas informés, madame. Les gens disent n'importe quoi. La carte des lecteurs, il y a français. La photo est en noir et blanc. C'est la nouvelle technologie, madame. Mais il y a été, madame, il y aura, n'est-ce pas... ma carte d'identité, tu reçois d'ici le mois de juin, le ministre des Finances l'a dit, et la carte d'identité, ça sera avec une photo en couleur. Mais je vais rapidement rencontrer ma communiquer à Bandeko ensemble. Madame, c'est une peur au ventre, c'est la peur au ventre. Et je comprends que nos frères ici, d'ensemble, ne sont pas prêts pour les élections. Ils ne sont pas prêts. Qu'est-ce qui, quel est l'indice au moment où cette élection est atteinte, alors que tout ça vous s'enrôlez? Élection, ils allient bel et bien le 20 décembre, madame. Il y a qui s'est nié à quelque chose, coup constitutionnel pour s'en répondre à l'élection. Il y a qui gouvernement, il y a qui a élection aux arrêtés pour avoir moyen de sa sénité. La machine est en marche, ils sont en train de rêver. Mais madame, ce qui est arrivé que, suite à la contrainte sous technique ou bien financière, le 20 décembre, élection aux arrêtés, la République continuera à fonctionner et le chef de l'État qui est là continuera à être en fonction, madame. Nous avons un cas jurisprudentiel. Donc vous préparez un... Madame, non, ce n'est pas ce que je dis. J'ai dit si, dans une hypothèse, je suis parti d'un principe pour la relobaquer, il y aura élection. Si, Nabi, à l'hypothèse où, au cas où, n'est-ce pas, madame, il y a des contraintes. Mais qui dit maintenant la Constitution? Vous avez l'article 70, alinéa 2 de la Constitution qui vous dit que à la fin de son mandat, le chef, le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation du nouveau président élu. En 2016, madame, on a un cas jurisprudentiel. La CENI, n'est-ce pas, et le BET, élection aux arrêtés. N'a délai. L'opposition, le BET, Kabila doit partir. Vous vous rappelez, Kabila doit partir. La majorité présidentielle à l'époque, ayez qu'au saisir la Cour constitutionnelle. La majorité présidentielle conduite par le secrétaire permanent du PPRD, le professeur Ramazan Ishada. Ayez qu'au saisir la Cour constitutionnelle en interprétation et article 70 de la Constitution. La Cour constitutionnelle est le biboué. L'arrêt est encore là, c'est un arrêt de principe qui est encore là. RCONS 262. Cour constitutionnelle est le biboué pour éviter le vide juridique au sommet de l'État. Et pour assurer la continuité de l'État, le président qui est là reste en fonction jusqu'à l'installation du nouveau président élu. Donc, ceux qui ont commis le 20 décembre et qui m'ont pronominé, n'a pas raison, c'est ni à ça parce que ce n'est pas le chef d'État qui organise les élections.
C'est la CENI qui est un organe indépendant qui organise. C'est la monique qui est pour la contrainte de l'élection aux Alatés, à cause de la Cour constitutionnelle pour un report. Et dans ces cas-là, on va appliquer l'arrêt de la Cour constitutionnelle qui est là et l'article 70 CDC de la Constitution. Et de cet arrêt... C'est ni Ezali acquisé à cause de la rapproche à pouvoir. Madame Ezali, affirmation gratuite. Ezali de contre-vérité, de affabulation. On a Ezali comparable à des vagues dans un verre d'eau. Où est-ce qu'on a emporté conviction à bisauter où est-ce des hommes avertis. La CENI est un organe, c'est une institution d'appel à la démocratie. Ezali qu'au jeu une indépendance, non. CENI, comment est le pouvoir dans l'année. Est-ce que monsieur le président de la CENI Kadima, c'est le chef d'État qui l'a nommé là-bas? Ou bien il n'a pas de confession religieuse? Librement, Sangani, Péva Lobi était, Tomoni Moutou a un profil au Sengeli pour diriger CENI, Ezali, le président, n'est-ce pas, Kadima. Et elle s'est retrouvée. Est-ce que le chef d'État qui l'a mis là-bas, ce n'est pas le chef de l'État? Bon, Dengani Borigo Lobake, CENI, Ezali a pouvoir. C'était. C'est un sophisme irrégulier. Qu'est-ce qu'ils en savent? Nous savons ce qui se passe dans ces pays. À répondre à ma critère. C'est comme ça qu'il faut comprendre, n'est-ce pas, les gens, quand ils réagissent. Il y a PPRD, FCC, Zobouka Lokuta, Martin Fayoulou, Matata Ponyo, Docteur Denis Mukwege, ensemble pour la République et rejoindre Bango, on a eu le procès électoral, Bango n'a pas Zobouka Lokuta, Bino Union sacré, il y a besoin d'un raison, mais pour le numéro salé. Madame, mais quand les gens disent des choses, oh, ils ont les alliés qu'on convaincre Batouté. Vous voulez que tout le monde m'abandonne parce que est-ce que les alliés pendant ma au Bagomo, les alliés pendant ma B à solo, tout parce que bas on a calcul na Bango en tant que bas politique, ne bas qu'on n'a qu'au Kamata, bas tordre n'est-ce pas le vrai sens y a Makam. C'est comme ça qu'il faut comprendre les gens, madame. Moutazo bang élection. Madame, est-ce que Bisson Moutazo a un bilan moko appréciable? Toro bang élection. Le chef était un bilan à défendre. Par contre, Batumissou, ce baro loba, et Zararaba, baro sala, ce qu'on appelle, ils vous disent qu'ils vont, n'est-ce pas, mettre Paris en bouteille. Baro loba makambo yo, n'est-ce pas, ils allaient dans le vent. Mais le chef a un bilan. Est-ce que Moutazo a un bilan bang élection? T'as l'enrôlé au Salimati. Yomoni Moutounini à la Mouka, à Tata Banderol, pour avoir besoin de s'enrôler. C'est eux qui ont perdu les élections. Au lieu de sensibiliser la base Nabango, Bazali, n'est-ce pas, qu'il y a un débat, n'est-ce pas, de caniveau, ma considération, Mouroboué, n'est-ce pas, superfétatoire, qu'ils perdent leur temps. Nous avons déjà mis la machine en marche, en route, n'est-ce pas, pour le 20 décembre 2023. Pour la réélection, il y a le président de la République et il y a un sondage de Bimake, c'est lui qui sera, il est bien partant. On ne chante pas la victoire avant la guerre. Comme madame, on est sûr. Moi, nous avons maïel dans la classe. Il y a un rejoint l'examen. Avant que tu examines, il y a un rejoint maïel. Mon temps s'est préparé bien. Il y a un rejoint maïel. Pour se préparer, ma lame. Tant que tu auras un kélasse, tu es baraké. Avant que tu aies l'examen, tu as un rejoint. Le bas professeur à Katangai. Mais n'est-ce pas ça? Kourou n'a besoin. Et c'est pareil avec l'Union sacrée, dirigée de main de maître par le président de la République, Félix Tshisekedi. L'Union sacrée a composé na banani, na banani, bazakuna, nani bazana bino réellement, ni les autres assurés qui bino que d'abat n'y a soit n'est pas soutenu. Madame Momoni, moi je ne suis pas Dieu pour connaître Bakmite, Mayaba, Tukoloba, Nani, Azanani, je n'en. Oyo n'a pas l'Oba, Oyo n'a pas Mona. N'a pas Mona, n'est-ce pas? De plateforme politique, Rico-Polina, parti politique, autour il y a chef de l'État, où il y a accompagné chef de l'État, et il y a des gens qui ont battu la campagne pour Naïe, il y a des gens qui ont partagé le bilan Naïe, et toujours croire, n'est-ce pas, qu'ils vont le faire. Et l'ANC fait partie de ceux-là, de ce nombre-là. Toujours croire que Toroussa Layango, et nous le ferons. Parce que nous sommes convaincus qu'il nous faut cet homme pour 2023, pour le, n'est-ce pas, le 5 ans, n'est-ce pas, Ouéroya. Il nous faut, n'est-ce pas, cet homme tintin de volonté pour changer le pays.
Très bien. Tout comme la souka émission, mais au ventre biso union sacrée moi mingi na koye baka autorité ya parti na yo aza une femme aza na ba conviction mais deni na yesena beaucoup tana union sacrée. Et ce qu'il faut relever là tant union sous brune union sacrée réalisation ya makasi au bobi que non au penza nde to moni réalisation ya mission ya makasi ezani et puis échec na bien makasi ezani. Bon, oboni bon ngai na jui penda na bosolo hein mandat ya relever la partie T. Mais bloco le tuning a question na koloba et lorsque tindi biso ko tana union sacrée c'est parce que tout monde a une vision na biso ya combolisation ezo kuta na aspiration à chef de l'état. Nous sommes contre les antivaleurs, le chef d'état est contre les antivaleurs. Nous sommes contre la corruption, le chef d'état est contre la corruption. Nous sommes contre le détournement, on est contre tout ce qui est antivaleur, le chef d'état en est également contre. Et nous avons vu que nous devons nous marier, faire ce mariage là pour que tout ça la lutte wana ensemble. Ah, notre apport, moi je préfère que nous sommes modestes, madame. Nous apportons beaucoup, mais on préfère, n'est-ce pas, cause à la modeste. Ça ne sert à rien de pérorer dans le plateau que Bisso, depuis qu'on est là, voilà ce qu'on a apporté. Nous apportons beaucoup, madame, et nous comptons apporter plus pour, n'est-ce pas, pour nous mieux, se pointer à l'horizon. Vous autres, c'est préparé pour la économie. Il y a souk, il y a pouvoir en place. Mais vous êtes d'accord que la population est en nous vraiment satisfaite à 100% quelque part pour les examens macas. Mais le chef d'État l'a reconnu dans le discours naïe à Salaki sur l'état de la nation. Il a dit qu'il reconnaît qu'il y a la souffrance, madame. On ne peut pas se voiler la face. Souffrance, c'est Ali. Il y a... Mais il faut que tout à l'heure, c'est un outil, madame. Ce pays, toi, on a 62 ans d'indépendance, c'est le lot, n'est-ce pas? Sorotin, soit disant, on a 32 ans, c'est Mobutu qui a géré. Et 20 ans, c'est le président Norel qui a géré. Donc, quand vous faites le calcul, au moment où on a été, nous avons passé 52 ans au pays, avant y a gouffre. On ne peut pas sortir un pays plongé dans un gouffre profond, allais-je dire, pendant 52 ans, en 5 ans, en 3 ans. Je parle de 3 ans, parce que le 2 ans, vous savez ce qui s'est passé. Et le FCC bloquait les chefs de l'État. Mais en 3 ans, quand même, Tomoni lueur d'espoir. Le chef d'État a posé bas jalon et développement. Il y a un Tomoni et c'est un tout jeune qui ça y est. Il y a Joseph Kabila. En tout cas, madame, sincèrement, 20 ans, parce qu'il y a 2 ans, 2016, 2018, 18 plus 2 ans, il y a de 2016, il y a 20 ans. Monsieur le président de la République, honoraire, Joseph Kabila Kabangé, sénateur à vie, a un bilan. Il nous a laissé un pays en lambeaux. Un bilan catastrophique. Il y a un homme qui me conduit en boca, il m'a dit que je suis en. Parce que dans la côte, il y a appareil à gestion. À Tali, il y a un homme qui m'a dit que je vais le relever. Je veux me battre pour relever ce pays. Et il a démontré en 3 ans. Il a fait. Et photo. Madame. Mais, madame. Naouti Koloba, soko lingi mo komosu na kozongela yo to kolobela na ba moindre l'état et bilan chef de l'état. La refondation d'un état et bandara toujours par ba fondement qu'il faut placer, madame. Babara difficile à construire mais facile à détruire. Pour construire, il faut commencer par une fondation et élever, n'est-ce pas, le mur. Placer des bétons. Et qu'est-ce qui fait que mais pour des ressentir et amoter. Justement, il y a le BET. Maintenant, on a commencé dans 3 ans Oyo, de placer bas fondement. Et dans le 5 ans qui viendront, le peuple va maintenant ressentir bas effet naïrbo. On a placé des fondements, c'est quoi? On a placé des fondements. Mais aussi en assurant madame, faut comprendre le romoro. Bon, on a payé beaucoup à faire les chefs de l'État. Et c'est que les motonions sont accompagnés de Mokondi Yamboka dans la vision de Yambongwana. Si on a des Congolais, tu as fait un peu. Mais tu as fait un peu de temps. Mais est-ce que nous payons tout le monde pour faire un peu de temps? Combien de Congolais ont fait un peu de temps? C'est ça aussi le problème. Combien de Congolais ont fait un peu de temps? C'est ça aussi le problème. C'est-à-dire que nous devons tous mettre la main dans la pâte pour donner suffisamment de moyens au chef de l'État pour que le chef réponde, n'est-ce pas? Problème mais tout comme Nasuka, c'est le travail de tout le monde. Émission et s'il est une éthique, les chefs de l'État, il faut aussi un domaine pour que, quand même, à la fin de l'année, il y ait un peu de ressentir. Certes, cette année, c'est une année électorale,
Mais je pense que na une année etikali le chef de l'État doit toucher le social. Baspe etali bilei etali déjà avec la gratuité parce que gratuité dans un cadre social, il a déjà commencé à le faire pour le lona gratuité madame, nous avons plus de 4 millions d'élèves. Des enseignants va connaître l'augmentation à bas salaire dans le cadre de la gratuité. Et dans le cadre de la gratuité, aujourd'hui, nous avons 891 écoles où ils ont construit. Si vous voulez vous renseigner, il y a un bureau de gestion d'infrastructures scolaires où ils ont un EPST, vous pouvez sur l'élément Nyonson. Donc, les gens ont commencé déjà à toucher. Eux, ils tirent la console le matin, ils ont eu l'équipe. Tata, ils tirent la espérer, ils ont eu 20, ils ont eu la console. Ils ont espérer à tata que moi, j'ai eu la classe, moi, j'ai eu la soukabota qui n'avait à peine que 3 ans, à une école maternelle, une école dans l'État. Moi, lieu d'espoir de Botami, Abiata, Oyo, les 19 premiers, Batanga Guité. Mais Oyo, quand c'est chef de l'État, Abandi Kasnaï. Et c'est un côté, maman. Toro Yasuka, émission Ambition et Sili, votre mot de la fin par rapport à l'émission de ce jour. Tout le monde appelle déjà nous, nous, à remaniement et Zali Koya, ce qu'il faut qu'on le voit. Une fois qu'il y a une fois qu'il y a et puis un conseil, ou bah, Kokota, aux années. En tout cas, pour le remaniement, Oza, qu'on s'est pointé à l'horizon, parce que le chef l'a annoncé dans le dernier conseil de ministre, le chef de l'État a ça là, un choix judicieux. Tous ceux qui n'ont pas un bilan. Brillé par la gestion, bateau basali, bapes et rendement mala mouté na batante naye, et c'est n'y a changé bam. Déjà, bon, on a bandi à mon cabinet na yemoko, bon, y balayage ou assaï na cabinet na yekuna, assaï combolisation dans son cabinet, nous avons apprécié, et la si balay ou anapé à rosal à mon akati ya gouvernement, ceux qui n'ont pas donné un rendement na batante naye, ils doivent partir, le pays appartient à tout le monde, il y a des jeunes compétents, encore qu'ils ont compté sur la jeunesse, les jeunes sont là, compétents et qui peuvent, n'est-ce pas, l'accompagner. Pour na baimboka na koebisa nenge mon frère l'actuel président SESAC maître Christian Bosembe alobaka que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Très bien, merci beaucoup. Mon avocat ezala ki pona Congo, bolinga Congo, to tonga Congo, to bate la intégrité territoriale nyabiso, to zaki na ndeko Christian Ingange, ya lisanga politique alliance des élites pour un nouveau Congo. Merci na bino bolanda ki nabiso, merci na mon avocat, to espérer que prochainement ezaki mbala boso, j'espère que prochainement to okuta na biso. Soki obenginga na royal. Très bien, merci beaucoup. To okutani prochainement, on a ba invité mon sous, mais toujours avec le même plaisir. Au revoir. Bio Herbs Cacao, est un cacao en poudre de première qualité, mêlant l'utile à l'agréable, originaire d'Afrique. Bio Cacao possède des propriétés médicinales et aphrodisiaques naturelles puissantes. Notre cacao n'est composé d'aucun arôme artificiel, d'aucun colorant ou des conservateurs. Avec de l'eau chaude ou du lait, profitez d'un tendre goût de cacao. Avec Bio Herbs Cacao, vous êtes assuré de retrouver une capacité physique optimale. Un complément alimentaire conçu pour les hommes, augmente la libido pour une santé sexuelle positive. 30 minutes après l'usage, vous avez des résultats positifs. C'est la première fois que j'ai goûté un complément alimentaire sain, propre, bio, sans produits chimiques et sans aucun effet secondaire qui fait des merveilles. Tout ce qui est écrit pour ce produit est vrai. Bienfait pour le cœur et la morale, lutte contre l'hypertension, pour le diabète. En tant que médecin, je vous conseille de l'utiliser. Et pour devenir distributeur, écrivez-nous sur jaimesociety1@gmail.com. Le pont entre les États-Unis, le Canada et la RDC. ExoFreight, pour vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité.
Notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagés et autres colis, nous effectuons l'achat à partir des États-Unis, du Canada et nous livrons en un temps record en République démocratique du Congo. Nos adresses, aux États-Unis, 1000 Montana Drive, Charlotte NC, 28216. Au Canada, 6377, Boulevard Monk, H4, E3, H8. À Kinshasa, au numéro 32, avenue Kitona, quartier Rigini, commune de Lema, et bientôt à l'est de la RDC. Avec ExoFreight, il n'y a plus de limites.